Vous auriez volé du fromage, d'un burger, mettez-vous comme il faut, des pains au chocolat, pour 31 euros. Hey, that thing is good. Hey, you really found a sandwich, man. I don't. What's up with it? Just we tone guards here, note that. And only live for a note video. Another video. Mais aujourd'hui, vous voulez vous voir le titre de la vidéo. C'est pas vidéo de musique. Ça, c'est le moment le plus drôle au tribunal. Le plus drôle au tribunal. Numéro uno. So let's get into this and see what is going on in the courtroom, or at the courthouse, or in the jail. You know what I'm saying? Tribunal, say, on, let's say, the court. So, let's get in here et voir qu'est-ce que ça passe là au tribunal. Si vous avez autres vidéos qui est drôle, envoie ça à moi, s'il vous plaît. Please, send them to me, man. Make sure I get my crystalline. J'ai le crystalline là. Let's get it in, baby. TV Replay, man. Shout out TV Replay. Yeah, hey, TV Replay got the, hey, man. Yeah, the comedy sort of set channel. Well, shout out TV Replay. Let's go. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Vous êtes un dealer? Pas vraiment. Bah si, vous êtes un dealer. Désolé de vous le dire, désolé de vous l'apprendre. Vous considérez que c'est pas de la vente de stupéfiants? Attends. Pas vraiment. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Vous êtes un dealer? Pas vraiment. Bah si, vous êtes un dealer. Désolé de vous le dire, désolé de vous l'apprendre. Vous considérez que c'est pas de la vente de stupéfiants, mais pas de chance pour vous, ça en est. Vous avez quelque chose d'intelligent à me dire par rapport à ça? Non. Monsieur, je ne vous ai pas invité à vous asseoir. Je l'ai. Vous restez debout. Décroisez les bras. On n'est pas à la batte ici. Il y a quelqu'un qui m'a donné ça. Moi, je ne... Attends. Là, elle lui a attaqué tout de suite, là. Ok, il sat down. Elle dit... J'ai pas dit ce soir. Ok. Maintenant tu dis, enlève le. Décrocher le bras. Attends. Décrocher le bras. Ok, buddy. Ça va être long pour lui, là. Décroiser les bras. On n'est pas à la batte ici. Il y a quelqu'un qui m'a donné ça. Moi, j'ai une nationalité marocaine. Tu sais bien. Moi, Ah, bah, j'espère que tous les Marocains ne fument pas du cannabis. Tout le monde, tous les Marocains, ils fument. Comment? Tous les Marocains, ils fument. Tous les Marocains fument du. Eh ben, je ne le savais pas. J'ai appris quelque chose. Aujourd'hui, alors. Vous trouvez que je pose des questions rigolotes ou. Non, je vous fais rire, en tout cas. C'est rare quand on rit ici. Vous l'expliquez que vous essayez de rattraper un véhicule qui vous avait touché dans le. Oui, vous ne faites pas vous-même. Donc vous coursez le véhicule qui vous a percuté. Oui, ça. J'ai pas vu la fontaine. Mais si les autres personnes qui sont sur la route se font. Excusez-moi, monsieur, ça n'arrivera plus, monsieur. Ah, ça n'arrivera plus. Ah, oui, mais bon, vous n'avez pas la meilleure solution de réglage. Excusez-moi, monsieur, ça n'arrivera plus, monsieur. Hein. En mettant les gens en danger. On l'espère, ça va vous servir de leçon, mais. Ça va, merci. Mais, oui. Attends, lui dit ça va, merci. Non, excusez-moi, monsieur, ça n'arrivera plus, monsieur. En mettant les gens en danger. On l'espère, ça va vous servir de leçon, mais. Ça va, merci. Mais, oui. J'ai trouvé des packs que j'ai trouvé par terre. Ah oui. J'ai voulu l'acheter, mais. Voilà, je me suis fait contrôler entre temps. Vous avez trouvé des sachets dans un parc? Je les ai ramassés. Et vous les avez ramassés? Imaginez des enfants passer à ce moment-là, enfin, je sais pas. Ah, il est trop marrant. Ah, c'est dans. Hey, il a trouvé des sachets dans le parc. Et il y a des enfants à côté, il protège les enfants. Oui, c'est vrai. Il protège les enfants. Moi, je suis d'accord avec lui, là. Vous avez trouvé des sachets dans un parc? Je les ai ramassés. Et vous les avez ramassés? Imaginez des enfants passer à ce moment-là, enfin, je sais pas.
Ah, il est trop marrant. Ah, c'est dans un but. C'est ça, voilà. C'est dans le but d'essayer de sauver des enfants que vous avez fait ça. Je suis au chômage, c'est 2040. Au chômage. C'est pas ce que vous avez pour cette fois, c'est bon, monsieur. Oui, monsieur. Faut que... J'ai 3 enfants, monsieur. C'est dur, monsieur, la vie. Attends, qu'est-ce qu'il parle là? Il parle trop vite pour moi. Il parle vite et il articule plus. Je suis au chômage, c'est 2040. C'est pas ce que vous avez pour cette fois, c'est bon. Vous pouvez m'excuser pour cette fois, si monsieur. Oui, monsieur. Monsieur le procureur du roi. The king, judge. Hey, come on, là. Lui, c'est. Hey, I did too say, man. Yeah. J'ai 3 enfants, monsieur. Hein? C'est dur, monsieur, la vie. 600 euros de loyer, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. And they laughing. Hey, he's on Mark Louis, là. Ah, bro, come on, man. Hey. Tu fais là pour te croire et après tu dis, s'il vous plaît, mais excusez-moi cette fois-ci là. Ça n'arrive jamais. He said, not gonna happen again. Hey, hold on, man. These niggas is funny, bro. Vous auriez volé du fromage, des hamburgers, mettez-vous comme il faut, des pains au chocolat pour 31 euros. Vous connaissez les faits? Comment vous expliquez que vous volez une voiture? Mais ça, je suis pas au courant. Ah. Vous vous droguez? Hein? Vous vous droguez? Non. Pourquoi vous êtes amorti? Je suis quoi? Amorti. Arrête la drogue! Attends. Vous auriez volé du fromage, des hamburgers, mettez-vous comme il faut, des pains au chocolat, pour 31 euros. Hey, this is good. Hey, you really found a sandwich, man. I don't. Oh, c'est pas drôle. Si le mec est pas dessous pour acheter de manger, et lui il a des enfants pour nourrir, je comprends. Mais bro, si tu voles ça juste pour voler ça, man, bah damn, j'espère que tu as raison pour voler des ingrédients pour faire un hamburger. Et le pain au chocolat. Ah non, n'oublie pas le pain au chocolat. Oh, come on, let's go. Let's go. Vous connaissez les faits? Comment vous expliquez que vous volez une voiture? Mais ça, je suis pas au courant. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous droguez? Hein? Vous vous droguez? Non. Pourquoi vous êtes amorti? Je suis quoi? Amorti. Arrête la drogue! Mais vous, votre déclaration, je vais quand même la lire parce que c'est énorme. Vous êtes probablement dans le top 10 des trucs les plus invraisemblables que j'ai lus. Que contiennent les paxons contenant de la poudre blanche, de la farine? Oui. Je les ai trouvés par terre. Attends. Oui. La lire parce que c'est énorme. Vous êtes probablement dans le top 10 des trucs les plus invraisemblables que j'ai lus. Que contiennent les paxons contenant de la poudre blanche, de la farine? Oui. Je les ai trouvés par terre, je les ai goûtés. Ça goûtait la farine, je voulais les mettre à la poubelle, mais ça m'est sorti de la tête, je ne savais pas que c'était de l'héroïne. Mais vous, le premier réflexe, c'est... Ah, j'ai de la farine. Pour moi, c'était de l'héroïne à la base. Vous pensez pas qu'à un moment donné, il faut être sérieux? Vous me prenez vraiment pour un con? Est-ce qu'on peut se poser la question, hein? De me sortir une énormité pareille? Si Kadim nie les coups, il a bien avoué qu'il s'était disputé pour une sombre histoire de micro-ondes. Bien, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez me dire par rapport à ça? Il m'a trouvé, j'étais en train de chauffer quelque chose dans le four. Il est venu sortir l'assiette dans le four, il l'a jeté à terre. Par rapport à ce qu'on vous reproche, vous dites que vous n'avez rien fait. Oui, mes proches, oui. Et ils ont raison, c'est non, pas vos proches, reproches. Voilà, absolument. Oh non. Attends. Yeah. Mais proche, oui. Attends. J'étais en train de chauffer quelque chose dans le four. Il est venu sortir l'assiette dans le four. Il l'a jeté
à terre. Par rapport à ce qu'on vous reproche, vous dites que vous n'avez rien fait. Oui, oui, mes proches, oui. Et ils ont raison, c'est... Non, pas vos proches, reproches. Voilà, absolument. Petite voiture, monsieur, une forte vie, elle est chère pour... La vie, elle est chère pour tout le monde. Oh, une vieille, monsieur. Bien. Merci beaucoup, monsieur. Une peine de travail, monsieur, je ne serai pas payé, je vous le dis à l'avance, monsieur. Oui, mais ici, on ne va pas faire une peine de travail pour ça, monsieur. Ah, merci beaucoup, monsieur. Ah, lui, c'est un menteur. Hey. Mais le mec, il essaie de fouiller de payer, mais... Hey. Là, you can say he is full of shit. Ça, c'est le mot que dit que le mec... Regarde lui, man. Une peine de travail, monsieur, je ne serai pas payé, je vous le dis à l'avance, monsieur. Oui, mais ici, on ne va pas faire une peine de travail pour ça, monsieur. Ah, merci beaucoup, monsieur. Donc, il y a partout. Moi, je ne paye pas. Vous ne payez pas. Moi, parce que je connais beaucoup de personnes. D'accord. C'est, il y a quelqu'un qui donne comme ça un truc, l'autre comme ça. C'est ça, vous connaissez tout le monde et tout le monde vous donne du cannabis. Ouais. Voilà. Enfin, c'est bien, voilà, monsieur est content d'être ici et de sa situation. C'est voilà. Voilà. Ils sont morts de rire déjà. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien. Accessoirement, vous cherchez un travail, on ne sait jamais, ça peut arriver. Ils cherchent un travail. Mais je ne cherche pas comme vous croyez. Vous cherchez comment? Je cherche de mon côté. Je suis jamais chez moi, en fait. Mais vous êtes où, alors? Je dors chez des copains. Pardon? Je n'aime pas rester chez moi. Mais c'est une bonne idée d'aller chez les copains, à droite et à gauche? On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, Nero, tu verras qu'on n'est pas tout seul. C'est mal barré, comme on dit. Ouais, ouais. Ah là là. Moi, j'ai acheté mon micro à 35 euros à Clemenceau. Nickel. Moi, je le dis carrément, je suis là. Une fois, c'est la première fois à cause de lui. Regarde mon CV et ton CV. C'est pas pareil. Ils aiment que dormir, manger. C'est pas le monsieur le président qui t'a demandé est-ce que c'est lui qui travaille, est-ce que qu'il dort. On ne te pose pas cette question. Ah, monsieur le président, man, c'est le procureur, man. This guy, you know, he didn't ask you who's sleeping, who works and who sleep. Qui travaille, qui dort. Moi, je le dis carrément, je suis là. Une fois, c'est la première fois à cause de lui. Regarde mon CV et ton CV. C'est pas pareil. Ils aiment que dormir, manger. C'est pas le monsieur le président qui t'a demandé est-ce que c'est lui qui travaille, est-ce qu'il dort. On ne te pose pas cette question. La déchéance, monsieur, le week-end éventuellement. Ça, monsieur, c'est en été. Non, ça, moi, je ne le fais pas, je fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? La déchéance, monsieur, le week-end éventuellement. Ça, monsieur, c'est en été. Non, ça, moi, je ne le fais pas, je fais pas ça. Oui. C'est la semaine ou le week-end? En été, non, hein. Je ne choisis pas les saisons. Ah oui, monsieur, c'est en été. Oh. Ça, monsieur. Quand il fait bon ou pas bon? Oui, ça, c'est bon, monsieur, oh, oui. Bon. Eh bien, vous êtes accusé d'avoir mordu l'autre conducteur à 100, à tel point qu'on a vu lui faire une piqûre anti-tétanos. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. 3 jours d'incapacité de travail, il a le visage en sang à cause de vous. Il se fait à moitié défiguré. Vous en pensez quoi? Je regrette, monsieur, le jeu. La victime aussi, elle regrette, hein. Vous croyez pas? Vous êtes un animal, en fait, non? A priori, c'est plutôt ce que font les animaux, non? Les animaux dangereux. Mais là, le fait que... C'est qui, lui, là? Parce que moi, j'aime pas le fait que lui parle avec les gens. Bro, t'es pas là pour donner une... Man, il parle comme il est le parent de les gens qui lui parlent. Mais toi, t'es... Non, faut pas... Hey man, moi j'essaie de pas ça du tout, man. Fais ton travail, dis ce que tu veux dire. C'est tout!
Mets-moi au prison au libre. Free me or put me in jail, man. But shut the fuck up with all this fucking. Are you an animal or this and that, man? What the fuck? Come on, bro. What's your ball up? Oh, you don't regret? You don't have any regret? Like, you niggas? Man. If I do got regret, I don't need to tell you. Ça, c'est entre je et moi. Putain. Mais pense qu'il est qui, là? A priori, c'est plutôt ce que font les animaux, non? Les animaux dangereux. Alors, le week-end ou pas? Hein, le week-end, oh, et comme ça, le vous pouvez conduire les enfants à l'école pendant la semaine. Voilà, la semaine, vous pouvez rouler, mais pas le week-end. Mmh. Faire des courses avec madame. Non, monsieur, non, non, je roule le week-end, hein, monsieur. Oui. Non, en semaine. Vous préférez 10 jours d'affilée? En une fois? Quoi, monsieur, ça? La déchéance, l'interdiction de conduire. Abstention de conduite, monsieur. C'est qui, Touma? C'est un ami à moi. Il s'appelle comment, en vrai? Thomas. 23 novembre. Qu'est-ce que je vois? Madeleine, je te la fais à 30. Ça veut dire quoi, ça? C'est de la vente, hein? On est d'accord? Moi, je viens de... What? Did he snitch? Oh, c'est qui, Touma? Attends. Conduite, monsieur. C'est qui, Touma? C'est un ami à moi. Il s'appelle comment, en vrai? Thomas. 23 novembre. C'est qui, Thomas? C'est un ami à moi. Il s'appelle comment? Thomas? Hey, mais hold on. C'est sûr que Thomas, c'est pas un vrai person. Voilà. Attends. Que je vois. Madeleine, je te la fais à 30. Ça veut dire quoi, ça? C'est de la vente, hein? On est d'accord? Moi, je viens de marier. J'ai 25 ans. Et toi, t'as 42 ans. T'as rien fait encore, toi. T'as gâché ta vie et tu veux gâcher ma vie. Ah non, c'est pas possible. T'as déjà perdu 42 ans de ta vie. Laisse-moi faire ma vie, tranquille. Monsieur. Vous avez dit. Je suis vraiment désolé, monsieur. Tu gestes, oui. On va y arriver. Tu gestes, oui, monsieur. Attendez, en vous mettant ça, on fait déjà un gros geste. Ah, merci beaucoup, monsieur. Toi, j'ai pas une amende, c'est principal, monsieur. Ta vie est dure, monsieur. Vous tournez sur le salaire. Oui, oui. Vous êtes sympathique, en tout cas. Oui, bien. Allez, voilà. Ah, merci, monsieur. Il vient, monsieur. Le courrier va venir à la maison, là. Oui, oui. Ah, merci, oui. Il n'a pas compris. Oui, il pense qu'il va payer rien, il va faire rien. Ah oui. Yeah, mon cul. Il n'a pas compris. Le frère de Kadim n'a donc pas supporté que son micro-ondes soit sale, ce qui a provoqué la bagarre et les coups de couteau. Des coups que nie toujours Kadim. Moi, je lui dis carrément, laissez mon micro-ondes. Qu'il ne nettoie pas mon micro-ondes. Oui, c'est d'accord. Voilà. Le micro-ondes, c'est pas son micro-ondes. Il dit toujours c'est mon micro-ondes. Mais c'est quelqu'un qui l'a donné l'argent pour aller le chercher. C'est pas son micro-ondes. Vous avez poursuivi pour une extorsion avec arme ou objet qui ressemble, l'auteur ayant fait croire qu'il était armé. Vous allez faire la peine à laquelle on va vous condamner maintenant, et le sourcil là, vous pouvez l'oublier. Voilà, madame le président, il faut quand même réagir, c'est une blague ou quoi? Face à des conditions. Attendez, pareilles. Je fais plus de conneries, je m'en sors et tout, et vous allez me remettre dedans, ça. Ah ouais. On a tout ça. Vous calmez, sinon... Mais allez me calmer, mais ouais. Ouais, il faut que... Ah, attends. Oh non, hell no. Ah oh, non. Pourquoi elle a dit lui de calmer? Son collègue là, il parle fort sur le mic là. Il fait le cinéma et tout. Et l'autre. Et ça c'est le jeu qu'il jouait avec eux. Il veut que tu réagisses comme ça. Mais elle a dit rien à sa collègue pour se calmer. Mais dit que lui il parle fort. Comme lui, il faut que tu le calmes. Hey, yo. Bon, mais y'en est. Regarde cette connerie là. Vous avez poursuivi pour une extorsion avec arme ou objet qui y ressemble. Avec l'auteur ayant. Taisez-vous. L'auteur ayant fait croire qu'il était armé. Vous allez faire la peine à laquelle on va vous condamner maintenant. Et le sourcil là, vous pouvez l'oublier.
Voilà, madame le président. Il faut quand même. Ah, bah ouais, c'est une blague ou quoi? Face à des conditions. Attendez, pareilles. Je fais plus de conneries, je m'en sors et tout. Et vous allez me remettre dedans, ah ouais. Tout ça. Vous vous calmez sinon. Mais allez me calmer, mais ouais. Moi, c'est fini pour moi. D'accord. Je prends mon micro. J'ai amené un autre pas ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous demandez rien. Rien, rien du tout. Moi, j'ai quelque chose à demander. Oui. Je ne veux plus qu'il me provoque, je ne veux plus qu'il m'approche. Non, c'est ça. C'est tout ce que je me demande, c'est la paix totale. Bien. C'est toutes les conneries d'avant, ça. Mais il faut payer un jour, monsieur. Je me suis calmé, maintenant on me remet dedans. C'est pas tellement... J'ai déjà fait 4 mois et demi. Une peine de travail, ça ne vous intéresse pas? Bah si, je préfère travailler qu'aller en prison. Et ne vous droguez plus, hein, parce que ça n'a pas l'air d'aller de ce côté-là. Eh, mais vous voulez me faire une prise de sang? Est-ce que c'est riche? Je suis en train de vous je regarder. Maintenant, vous me prenez pour un tox. Monsieur, là. C'est terminé, vous aggravez votre cas. Je puis nous deux, d'accord? C'est terminé. It's crazy, right? Hey, man. Lock. Let's go. Y'all already know, man. It's your boy, No Tats, man. I'll approach it.